Abrite-moi sous se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Seigneur, nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Seigneur
Gloire à ton nom pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, Seigneur, pour ce que toi tu fais, ce que tu continues à pouvoir faire. Et c'est vrai, comme nous l'avons chanté, nous voulons vraiment considérer ta parole. C'est notre lumière sur le sentier, Père Tout-Puissant, Dieu. C'est aussi, oh Dieu, les guides qui nous conduisent encore dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, parce que ta parole à toi est la vérité, Seigneur. Elle nous éclaire davantage, mon roi, pour que nous puissions voir comment encore marcher, comment, Père Tout-Puissant, Dieu, poser les pas, afin que nous puissions être sûrs et certains que nous sommes sur le chemin. Oh Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ton peuple que tu as gardé, que tu as réellement aussi protégé sur le chemin, sur la route qu'ils ont pris pour venir en cet endroit, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu as vraiment protégé tes enfants, toi, Père. Merci pour ton amour et ta bonté encore ce matin, parce que, Seigneur, tu nous as donné encore le souffle de vie, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sois béni encore pour les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Ah, nous te supplions, mon roi, de voir nos cœurs qui ont chanté, qui ont poussé encore des cris de joie encore ce matin, de voir combien nous soupirons après toi, comme nous l'avons entendu. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois béni, ô notre Dieu. Nous ne voulons pas oublier quoi que ce soit, bénémoine, Père Tout-Puissant, parce que tu fais des grandes choses. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de nos enfants, nos petits-enfants, mon bénémoine, Père, ô Dieu. Nous voyons ta main à toi, bénémoine, Père, ô Dieu. Agir aussi puissamment, mon sauveur. Oh, parce que tu es vivant, nous vivons également aussi, Père. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci pour les cantiques qui ont été chantés. Merci pour les enfants qui t'ont chanté encore en ces lieux, bénémoine, Père Tout-Puissant. Pour chaque frère, chaque soeur qui s'est déplacé, Père, venir en cet endroit que tu as gardé. Vois l'amour, vois les sacrifices. Aussi, Père. Souviens-toi de nous encore aujourd'hui, Père Saint. Merci pour le psaume, merci pour tout, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver pour louer notre Dieu et pour aussi avoir la communion les uns avec les autres et surtout pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre sa voix, afin que nous puissions avancer avec lui. Comme l'Écriture le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous le remercions de ce qu'il est vivant, de ce qu'aujourd'hui encore il continue à pouvoir parler, pour que nous puissions certainement être aussi rassurés, puisqu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Nous réalisons que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il dit une chose, il la tient. Parce qu'il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter. C'est pour ça qu'il est honoré, parce qu'il aime être honoré. Que le Seigneur vous bénisse tous pour aussi avoir prié pour moi. Je vous en suis reconnaissant. Et je remercie personnellement chacun de vous tous pour votre amour aussi, pour les prières que vous faites monter devant son trône de grâce pour que Dieu, qu'il m'accorde aussi cette grâce aussi de pouvoir être parmi vous. Nous lui sommes reconnaissants pour cet amour qui ne cesse de pouvoir nous témoigner, parce que nous avons vraiment besoin de lui. Comme l'Écriture l'a dit tout à l'heure, mon âme bénit l'Éternel. Et c'est ce que cette âme reconnaît à l'endroit de ce que c'est Dieu a fait réellement aussi pour elle. Et je crois que tout un chacun de nous, nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous d'abord, et ce qu'il a fait pour nous, et aussi sa fidélité à l'endroit de sa parole, effectivement, qui nous reconforte davantage, effectivement aussi, qui nous console à nous qui sommes réellement le croyant, parce que nous avons cru en lui. Et nous reconnaissons effectivement que lui, il est toujours fidèle à sa propre parole, effectivement. Et quand il donne une promesse, effectivement, il n'est pas un homme pour changer en fait d'avis en cours de route. Il est vraiment Dieu. C'est pour ça que nous l'avons vu aussi dans cet amour, cet élan de cœur. Effectivement, lorsqu'il était en colère pour tout détruire, alors Moïse lui rappela effectivement
qui il est et la capacité qu'il a et aussi sa nature à lui. Nous avons un privilège, c'est de pouvoir avoir le Dieu d'Abraham, qui est aussi devenu aussi notre Dieu, et la joie de pouvoir savoir que de la même manière qu'il a eu à pouvoir agir aussi avec le peuple, qu'il a eu à pouvoir faire sortir, puisqu'il est le même, il agit aussi certainement aussi, et il le fera aussi avec nous. Nous avons ce privilège de pouvoir le connaître, parce que lui, il s'est fait donc connaître à nous. Que son nom soit béni pour pouvoir aussi garder aussi nos bien-aimés qui ont été en voyage dans le pays lointain, je crois, qu'il a aussi ramené aussi, et nous lui sommes reconnaissants. Ah, que Dieu te bénisse richement, j'ai entendu l'amen là-bas de ma bien-aimée sœur Rosalie. Ah, que Dieu te bénisse. Je vois pas tellement bien, mais je crois que c'est elle qui doit être là. J'ai entendu un peu sa voix. Que Dieu te bénisse richement. Il te fortifie beaucoup et merci pour tout ce que tu as fait. À chacun de vous tous, un grand merci pour ce que vous avez fait aussi pour moi. Merci beaucoup. Et nous sommes heureux de réaliser la grâce que Dieu nous accorde d'avoir des frères et des sœurs. Que Dieu bénisse mon frère Enzo, que je viens de voir tout à l'heure, effectivement aussi. Et ils ont bravé, en fait, de traverser la frontière jusqu'ici. Mais nous remercions Dieu qui les a gardés avec l'amour qu'ils ont pour la parole de Dieu. Et à chacun de vous tous, je crois que c'est quand même aussi des efforts que vous fournissez. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Nous réalisons donc notre Dieu est un Dieu qui a cette capacité de pouvoir réellement aussi se souvenir de tout ce qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi annoncer et même promettre effectivement aussi, même si à un certain moment, nous en tant qu'humains, nous pouvons oublier. C'est pour ça que nous disons effectivement que c'est un privilège pour nous parce que nous avons cru en lui et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et puis nous le connaissons parce que lui, il s'est fait donc connaître à nous. Que Dieu te bénisse mon frère Julien. Il s'est fait connaître donc à nous en fait qu'effectivement que nous le connaissions parce que si c'était pas fait connaître à nous, nous ne pourrions pas le connaître. C'est cela qui fait aussi notre assurance dans le sens que puisque nous le connaissons et puisque lui nous connaît et nous le connaissons parce que lui nous connaissait. Il s'est fait donc connaître à nous. Dieu te bénisse. Il s'est fait connaître à nous, effectivement. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous marchons avec quelqu'un que nous connaissons. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce qui est merveilleux aussi de pouvoir avoir. Ah, mais je vois, c'est ma soeur Charlie là-bas que je vois l'info. Sois bénie, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ah oui, ça fait plaisir de revoir ma soeur. J'avais beaucoup pleuré. C'est pour ça que je suis heureux quand je te vois dans le fond. Alors, nous réalisons, ce qui est très important, c'est que nous connaissons le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous connaît. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout le monde peut dire qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas comme il faut. Mais quand lui nous connaît, alors là, il s'est fait connaître à nous. Donc, nous réalisons une chose, que tous ceux qu'il a connus d'avance. Alors là, c'est un privilège. Savoir qu'il me connaît. Donc, s'il m'a connu d'avance, alors je suis un homme heureux, je suis une femme heureuse, parce que les projets qu'il a formés, parce qu'il mais il les a prédestinés, pas échoués, mais à réussir. Donc, parce qu'ils doivent être semblables à l'image de son fils. Quel bonheur, effectivement, de pouvoir être rassurer que c'est Dieu ici, lorsqu'il a voulu déployer son plan et son programme, effectivement, eh ben, il m'a aussi connu. Comment je peux être sûr et certain qu'il m'a connu, moi? C'est ça, là, la chose merveilleuse. Et ça, c'est pour ça qu'il nous dit qu'aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, il faut que tu entendes sa voix. Et ça, c'est parce que il t'a connu, c'est pour ça qu'il s'adresse à toi. Et je crois que, sans l'ombre d'un doute, peut-être que quelque part, Satan peut un peu chercher à pouvoir un peu vous distraire en vous disant, vous n'êtes, non, sans l'ombre d'un doute, vous devez être sûr en dedans de vous que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Parce que quand il nous parle, ça pénètre dans mon cœur. Ça change tout, effectivement, parce que c'est quelque chose qui fait que la profondeur appelle la profondeur. Même si c'est dur,
Alors nous sommes, comme Pierre l'a dit, à qui donc irions-nous donc? À toi, car c'est de toi que viennent donc les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons donc cru. Donc, nous réalisons qu'effectivement, c'est quand même un privilège que d'être connu de ces dieux, effectivement, et si nous sommes vraiment connus. C'est là que nous devons aussi lui être reconnaissants et voir qu'effectivement, que c'est Dieu à pouvoir faire un choix. Et quand il marche avec ceux-là, comme nous pouvons le voir aussi dans les Saintes Écritures, des hommes qui ont été aussi fermes, et ces hommes, effectivement, ils savaient qu'ils avaient l'assurance de pouvoir être connus de ces dieux, et aussi comme ils étaient connus de ces dieux. C'est pour ça que, frères et sœurs, que lorsque le peuple commença à pouvoir tout le temps murmurer, vous savez, était comme ceci, effectivement, et ces hommes-là ont eu à pouvoir dire, mais peu importe ce que nos yeux charnels peuvent voir, mais puisque Dieu nous l'a dit, amen. Il n'a pas dit ça aux Amoréens, aux Éphésiens. Non, à nous. Amen. Puisque Dieu nous l'a dit, alors nous sommes plus que capables. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces dieux-là, il est toujours avec nous. Il s'est adressé à nous. Donc si il s'est adressé à toi, ce que réellement il te connaît, c'est aussi un privilège. Donc, le livre de Michée, nous venons lire au chapitre 7, Michée au chapitre 7. Oui, nous pouvons commencer à partir. Oui. Michée au chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset donc 18. Michée 7. Ok, Michée. Oh, bah, c'est après Abdias, c'est quand même loin, c'est vrai. Non. Bah, je ne sais pas, mais c'est peut-être la pagination de la mienne avec la vôtre, c'est peut-être pas la même chose. Mais vous y êtes? Michée 7, verset 18, il nous dit. Quel Dieu est donc semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère donc à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté donc à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Oh, notre Père Céleste et notre Dieu, certainement ton peuple pouvait se souvenir encore du jour d'autrefois. Dans le jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu leur as témoigné un amour extraordinaire à cette postérité d'Abraham, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui était étranger, qui séjournait dans un pays où ils étaient asservis, mon roi. Mais ils ont eu à pouvoir voir cette grande lumière, cette grâce que tu as eu à pouvoir leur apporter, Père, en visitant cet homme Moïse, bien-aimé Père Tibisson, et en démontrant que, oh Dieu, tu es le Dieu qui se souvient toujours de tes promesses à toi, Père. L'homme peut oublier, mais toi, le Dieu très haut, tu n'oublies jamais. C'est pour ça que nous te sommes aussi attachés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, reconnaissant ta grandeur, Père Tibisson, Dieu, ton amour et ta puissance et ton autorité, Seigneur. Souviens-toi de nous encore aujourd'hui, bien-aimé Père Tibisson, et c'est vrai, ils se sont souvenus que le jour d'autrefois, c'était des jours tout à fait exceptionnels. Nous rendons gloire à ton nom encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu, pour ton amour et ta bonté, ta grâce que tu nous as accordée. Nous te remercions pour les saintes écritures que tu nous as donné, les privilèges. Oh Dieu du ciel, c'est vraiment un privilège d'avoir la Bible, Père, ta parole à toi, sous forme écrite, mon bien-aimé Père Tibisson, entre les mains de ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui a fait de merveilles. Louange à toi pour susciter des hommes aussi comme Luther, mon bien-aimé Père Dieu, qui ont combattu pour que la Bible soit imprimée, mon bien-aimé Père Dieu, pour que ce peuple puisse avoir l'occasion de pouvoir la lire, mon sauveur. Merci pour ce privilège que nous avons encore aujourd'hui, d'être encore dans ces lieux, de pouvoir également aussi nous rassembler, pour pouvoir lire ta parole, ta bien, pour t'écouter, toi, nous parler, Père. Pardonne-moi, mon bien-aimé Père Tibisson, car j'ai besoin de toi. Tu le sais, mon bien-aimé Père Dieu. Souviens-toi de moi encore en ce jour, mon sauveur. Car moi et ton peuple, à toi, nous te sommes là soumis, mon bien-aimé Père Dieu. Nos oreilles sont attentives à toi. Nous voulons que tu nous aides aussi, parce que nous voulons t'entendre nous parler. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir.
c'est comme cet homme ici, se lance effectivement avec autant d'ardiesse, effectivement, pour exprimer effectivement quelque chose de tout à fait aussi puissant, parce que je crois que c'était un moment où ils avaient eu à pouvoir passer par une période et qu'ils ont pu réaliser effectivement ce que c'est Dieu et pour eux effectivement, et c'est que c'est Dieu effectivement aussi a eu à pouvoir réellement aussi faire, comme nous l'avons entendu effectivement aussi de la manière dont il a exprimé les choses effectivement, comme qu'il a juré à nos pères au jour d'autrefois. Donc effectivement, ce qu'on se souvient, ils se sont souvenus qu'effectivement notre Dieu, les dieux, parce que c'est les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, est un Dieu qui était tout à fait différent du Dieu des autres nations. Ils ont eu à pouvoir également aussi l'expérimenter et le voir. Je pense que c'est cela aussi leur a poussé à pouvoir réellement à s'accrocher davantage. Probablement que c'était un peu historique, effectivement, parce que, vous savez, ils n'étaient pas là lorsque le Seigneur Dieu avait eu à pouvoir parler à leur père Abraham, effectivement, aussi, parce que, comme nous l'avons entendu il y a quelques temps de cela, je pense que cela, c'était avec Abraham que Dieu s'est adressé en lui disant « Quitte ton père et ta mère et ta patrie ». Il a parlé effectivement pendant qu'il n'avait pas de descendants. Et c'est ce Dieu-là qui lui firent donc la promesse aussi à cet homme, donc Abraham, qui était attaché à ses dieux, et disant qu'il aura donc une postérité comme les étoiles du ciel, effectivement, et qu'il serait aussi asservi. Donc, cette postérité n'était pas là, ils n'ont pas entendu cela. Donc, ils n'ont pas pu voir effectivement aussi la main de ce Dieu d'Abraham, effectivement, parce que, comme vous savez, afin que vous puissiez vous rappeler, effectivement, après ce que Dieu a eu à pouvoir faire Abraham, Abraham est parti, effectivement, et puis, il y a eu donc, effectivement, Jacob, que vous connaissez, effectivement, ainsi, parce que, d'abord, Isaac, comme vous savez, et puis, Isaac est venu, effectivement, Jacob, et Jacob, effectivement, a eu à pouvoir fuir, parce que son frère, effectivement, cherchait à pouvoir le tuer, à cause du droit de naissance que Jacob a eu à pouvoir acheter parce que son frère a vendu. Et lui et son frère n'en voyaient pas réellement aussi l'important. Je pense que vous vous souvenez de cela. Parfois, nous avons des choses que Dieu nous a accordées et qui sont tellement importantes pour nous que, en fait, nous ne le regardons pas de la bonne manière. On regarde toujours le voisin. C'est pour ça, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, quand il vous a appelé, il vous a choisi, il ne vous a pas laissé vide. Comme l'Écriture dit, mais qu'il ne vous manque aucun don dans la tente de Dieu. C'est vrai, il ne vous a pas laissé vide, il ne peut pas vous prendre pour rester vide. Quand il vous appelle, effectivement, c'est là que nous comprenons que c'est la justification. Vous comprenez cela, non? Donc il nous ramasse, tous, il nous a ramassés. Et puis après, quand il nous a ramassés, il dit, mais pour rien. C'est que nous l'avons souvent entendu, mais que Dieu nous aide. C'est qu'il y a quelque chose de très important aux yeux de Dieu que toi tu as. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il te lave. C'est pour ça que, comment est-ce qu'il te lave? Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est toujours la vérité. Ne combat jamais la parole de Dieu, mon frère. C'est pour ton bonheur à toi. Qu'elle soit dure, qu'elle puisse te répandre dans tous les sondages. Accepte-la. C'est une grâce que Dieu te reprenne, qu'il te montre effectivement là où tu as mal fait, que de pouvoir simplement marcher, tu sais que je n'ai même pas que Dieu est bon. Si quand Dieu te parle, glorifie Dieu. Amen. Seigneur, je ne voyais pas mes gloires à toi. La parole m'a repris. Et quand tu es un fils de Dieu, ne sois pas comme Caïn. Auquel le Seigneur a eu à pouvoir parler, répéter effectivement, et avec autant d'amour, effectivement. Mais Caïn, lui, il était toujours dans ses pensées, effectivement, voulant faire ce que lui, il voulait faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur te reprend, nous savons que quand on vous reprend, ça ne fait pas du bien. Et ce que c'est pour le bien de tout un chacun de nous, parce que c'est par cela que le Seigneur, notre Dieu, il nous taille aussi. Nous avons dit aussi, il nous fait passer par son difficile. Et la parole vient te montrer donc ta propre nature à toi. Ne combat jamais la parole. Parce que de toute façon, tu ne seras jamais vainqueur. God bless you, my precious brother. I can see you here. C'est mon frère Daniel. Oui, Daniel Rivera. Del Salvador. Donc,
Nous ne sommes pas appelés à combattre la parole de Dieu, mais à pouvoir nous soumettre à la parole. Et ça, c'est pour ton bien. Et comme David le disait lui-même, il dit, mais comment, ça c'est pour tout le monde, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On combat toujours la parole de Dieu parce qu'on a des projets, mais des projets immondes qui ne sont pas bons. Telle voie, parler de droit à l'homme, ça c'est Lucie, c'est la mort. Mais Dieu vient te montrer la voie de la vie. Ah bon, toi, tu combats effectivement, ça dit, mais c'est en se dirigeant, comme il est un peu, donc, comment le jeune homme a-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant d'après ta parole. Et puis il dit plus loin, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, le Seigneur, quand il l'a appelé, toi, il a déjà quelque chose que toi, il a prévu pour toi. C'est pour ça qu'on parle du don. Vous avez jamais remarqué que Dieu te dit, vous avez remarqué, frères et sœurs, que vous avez déjà remarqué, je pense bien, que quand l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois le bienvenu, ma soeur Trifonie. Hein? Que Dieu te bénisse richement. Oui, il n'était pas. Moi, peut-être moi, je n'étais pas là, mais il n'était pas bien. Maintenant, je suis là-bas. Ah, mais c'est mon frère. Justin, c'est là-bas au fond. Ah, que Dieu soit. Oh, que je suis soulagé. Et je suis heureux de te voir, mon frère. Ah, Saint-Charlie, frère Justin. Gloire à Dieu. Je pensais beaucoup à vous. Merci beaucoup, Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est vrai que vous vous étonnez, mais nous rendons gloire à notre Dieu. C'est important que nous puissions comprendre, c'est une grâce. Quand Dieu nous donne nos frères, nous donne nos sœurs, effectivement aussi. Et ça doit être quelque chose qui doit vraiment nous consoler. Donc nous, quand la parole de Dieu s'adresse à toi, ne combat jamais la parole. Et comme le disait effectivement, il dit, mais comment je ne rends-t-il son sentier? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je sers ta parole, ne combattez jamais. Quand on est dans l'erreur que la parole te reprend, glorifions les Seigneurs pour cela. Parce qu'il dit, il reprend tous ceux qu'il reconnaît comme fils, qu'il aime effectivement, ainsi de suite. Parce qu'ici, la parole ne te touche pas effectivement, pose la question. Mais quand elle te touche dans ton cœur, effectivement, ce que Dieu a eu le regard posé aussi sur toi. Donc, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ce qui veut dire que nous savons la grâce de pouvoir effectivement aussi comprendre que la parole que Dieu nous donne est là vraiment la puissance de pouvoir changer ma propre vie. C'est pour ça qu'on dit que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne combattez jamais la vérité. Parce que, regardez très bien, la Bible dit car il viendra un temps. Si la Bible l'a dit, cela doit arriver. Où les hommes, c'est-à-dire que tout le monde inclus. Parce que vous et moi ici, nous vivons dans le même espace-temps que tous les païens, qui nous étions d'abord de leur nombre. Païens. Dans le monde, effectivement, dans l'espace, d'une manière où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Je voulais toujours dire, effectivement, ici, que toutes. Parce que parfois, vous ne regardez pas bien. Toutes les mesures et lois qu'on prend dans le monde, on ne vise pas les hommes. On vit surtout la parole de Dieu. En grande majorité, effectivement, c'est toujours la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui, dans les décisions du gouvernement, même au milieu du gouvernement, c'est qu'on permet toujours ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on vise toujours les choses qui concernent Dieu d'une manière, c'est qu'on combat. Parce que ce ne sont pas des hommes, c'est des esprits. N'oubliez jamais qu'il y a toujours deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, effectivement, c'est l'esprit du malin. Donc, ils vont détourner l'oreille de la vérité. Donc, ils ne vont pas aimer la vérité. Ce qui veut dire qu'en fait, de cela aussi, ce qu'il y a, non seulement les hommes, effectivement, mais même dans le milieu de ceux qui disent que nous croyons. Détourner l'oreille de la vérité, c'est que quelque part, toi qui as eu à pouvoir l'occasion de pouvoir quand même entendre la vérité. Mais c'est vrai, ça? Bien sûr que oui. Vous me direz, frère, c'est pas possible. Mais le Seigneur a prêché, non? Jean chapitre 8, vous vous souvenez? Ils ont entendu. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est parce qu'il y avait un problème. Il refusait. Il était venu pour le sauver. Le Seigneur n'était pas venu pour pouvoir juger ni condamner qui que ce soit. Ça, ne l'oubliez jamais.
Il est mort pour tous les hommes. Personne ne peut avoir l'excuse. Je reviens dans Abraham, effectivement, je reviens dans Personne ne peut avoir l'excuse de pouvoir dire, oh, vous savez, c'est à cause de la faute d'Adam et de Ève. Oh, s'il vous plaît, laissez maintenant Adam et Ève tranquilles. Oh, non, non, c'est la vérité, c'est pas pour dire, mais laissez Adam et Ève tranquilles. Parce que leur problème a été déjà solutionné. Puisque le dernier Adam est venu. Ah oui, c'est vrai. La Bible dit, quand Jean l'a vu, qu'est-ce qu'il dit? Mais voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte quoi? Les péchés du monde. Dans ces péchés-là, ôté. Maintenant, frères et sœurs, le problème, c'est toi. Ce n'est plus Adam, c'est à cause de Ève. Non, toi maintenant. Parce que le problème d'Adam et Ève a été solutionné. Maintenant, c'est toi qui es donc... devant, mais dans la situation que tu dois arriver à pouvoir être conscient de prendre effectivement aussi ta décision en réalité, en rapport avec ce que le Seigneur nous a dit. Donc, nous comprenons que si il le fait, comme il dit, sanctifié par ta vérité, ta parole donc est la vérité. Ça peut vous dire que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Et comme nous le disons aussi tout à l'heure, effectivement, en se référant à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir prêché, il me dit, mais leur cœur vivement touché, il dit, mais du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est le nom. Et vous recevez ça, ça, c'est la promesse du Seigneur. Non, c'est lui qui t'a dit. Alléluia. Non, quand Dieu promet, il doit accomplir. Donc lui, c'est ce jour-là, par la bouche de celui qui a dit que je vous recevrai le droit de naître, d'hériter tout, bien sûr. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne réalises pas ce que tu es. Tu te compares aux boîtes de ceci et de cela, ceci de ce que tu vois. Non, tu es plus que cela, ça. C'est la vérité, monsieur. Tu vois plus que toutes ces choses autour de toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. C'est par la parole de Dieu, ton Dieu à toi, que les choses existent. Alors tu vois plus que cela. Tu es un fils, mon frère. Tu diras et la chose sera. Réveille-toi, ma soeur. Ne soyez pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Non. C'est parce que vous comparez à des choses inutiles et vous voyez des choses inutiles. Même pour ça ne sert à rien. Parce que toutes ces choses-là, on nous dit qu'on nous donnera cela par-dessus. Écoutez l'écriture. Oui, Esaïe n'a pas compris. C'est ça le problème. Esaïe n'a pas compris. Mais son petit frère, c'est cela que nous devons comprendre, que mon frère et ma soeur, si Dieu te connaît, sois en paix. C'est 100% vrai. Sois en paix. Parce que regarde, frère, quand les deux sont formés dans les seins de la maman, ah oui, tous les deux étaient dedans, maman ne savait pas faire distinguer. Et puis ça a bousculé là-dedans. C'est à ce moment-là qu'elle est là, ça va consulter l'Éternel, l'auteur de la vie en chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est l'Éternel qui lui dit, oh, madame Rebecca. Rebecca, oui, vous connaissez, non? Il y a donc deux nations. Voilà. Quel privilège quand Dieu te connaît. Dans toutes les circonstances, il est toujours là, bien sûr. Oui, c'est pour ça que vous voyez que cet homme qui connaissait Dieu de tout son cœur, il aimait tellement Dieu de tout son cœur, dont Dieu a dit un nom selon mon cœur. Chaque fois qu'il partait, même son général, il me dit, aïe, rengaine ton épée, mais pourquoi? Consultons. Ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. Toujours chercher à connaître le Seigneur, parce que frère, ce n'est pas une corvée, mais c'est ta vie à toi. On prend trop de décisions rapidement. Frère, tout ce que nous voyons, nous pensons, ce n'est pas bon. Pourquoi d'abord mon esprit ne connaît pas le futur? Il ne voit que ce que nous voyons ici. Mais c'est pas ce qui va se passer demain. Qui connaît le futur? Alors consultons-le. Demain, je ne connais pas en rapport de choix que je fais maintenant. Alors, pour l'amour, pour ton amour à toi, la grâce, est-ce que je dois ou pas? C'est comme ça que David était dit, mais lui, je sais que tu me dis, mais dois-je monter ou pas? Tu fais ton regard, tu dis, ah, on est Dieu venu, on va monter.
Il me dit, mais Seigneur, dois-je monter maintenant ou pas? Il dit non. Il se dit non, pas maintenant. Et imagine qu'il était monté rapidement. Ce Dieu est important. Nous sommes appelés à consulter donc l'Éternel, notre Dieu. Et ça c'est important. C'est pour simplement. C'est pour ça que j'ai dit, dans les choses de Dieu, ne vous sentez jamais obligé. Oh, Dieu m'oblige. C'est pour l'amour de Dieu, Dieu n'oblige personne. Dieu nous aime, il n'oblige personne, il nous parle simplement. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit oser. Bien sûr, monsieur. On n'a pas dit, je vous oblige tous d'écouter. Jamais. C'est lui qui entend ma voix. Et qui ouvre la porte. Il dit que si tu entends, je suis directement oublié. Non. Si tu entends et que ça te touche. Et que tu veux me faire entrer, tu ouvres toi-même. Tu m'invites, alors j'entrerai. C'est pour ça, pour l'amour de Dieu, arrêtez. Oh, parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire. Non. Tout est permis. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez bien? Tout est permis. Il ne faut pas dire, ah, Seigneur, parce que moi je crois, tu ne me permets pas. Non. Non, vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Sœur, oh, c'est plus que je suis chrétien, je peux plus. Non. Tout est. C'est écrit. Alors, pour l'amour de Dieu, connaissez Dieu. Il ne vous a rien empêché. Tout est permis. C'est vrai qu'on change la façon de. Vous savez. J'ai lisé les Écritures, j'ai dit, nous les hommes, nous devons connaître Dieu. Amen. Juste une portion de l'Écriture, parce que nous allons rentrer dans ça, puis nous revenons dans. Pour que nous comprenions comment Dieu est grand. Nous sommes toujours dans la Sainte Écriture. Dans les livres de Matthieu, c'est touchant. Regardez, je crois que c'est Matthieu, chapitre 12. C'est ça, oui. Matthieu chapitre 12, juste verset 5. Juste verset 5. D'ailleurs, vous savez, voilà, je vais d'abord, vous permettez, je vais lire d'abord le verset 1. Hein? Regardez. Il dit, en ce temps-là, Jésus traversa donc des champs de blé un jour de sabbat. Vous savez très bien que les jours de sabbat, vous ne devez rien faire. Absolument interdit. Vous connaissez cela? Et on ne doit jamais faire quoi que ce soit le jour de sabbat. Alors il dit, ses disciples qui avaient donc faim, se mirent donc à arracher des épis et à manger. Bon, en fait, vous ne pouvez pas. Hein. Parce que c'est le jour de sabbat en principe. C'est-à-dire que vous ne devez pas préparer ça la veille. Le sabbat, c'est le jour du repos. Vous comprenez? Vous le saviez quand même. Jour du repos. Donc vous reposez, même pas allumé, vous reposez. Maintenant, regardez. Et ils se mirent à pouvoir arracher des épis et à manger. Les pharisiens suivent toujours. Hein? Ah oui, ils ne le lâchent pas. Parce que vous savez pour quelle raison? Ils veulent détruire toujours l'influence de son ministère, voilà. Montrer les erreurs pour que le peuple comprenne. Vous savez, nous vous l'avons dit, lui, il ne s'attache pas à Moïse, c'est toujours ça le problème. Il dit, le pharisien voyant cela lui dire, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Donc ça dit qu'eux, ils connaissaient cela puisqu'ils étaient attachés à la loi avec Moïse. Vous ne pouvez pas bouger autrement, parce qu'il y a un petit comme ça. Ah, Moïse a dit, vous connaissez, non? Il dit, il n'est pas permis donc de faire pendant les sabbats. Verset 3. Mais Jésus, j'aime maître. Nous avons un précieux sauveur, frère et sœur. Ah, là. En tout cas, nous sommes appelés à l'aimer vraiment. S'il faut avoir un compagnon, mon sœur. C'est le seul. Et on nous dit même que tous vos compagnons les soient. Mais mon compagnon. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Parce que si nous continuons, nous allons aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, frère. Un jour, tous nos compagnons. Et ses compagnons-là, lui, avec toi jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, le jour où il serait dans les cercueils, tout le monde m'abandonnera. Mais toi,
Mais toi, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, Lazare était mort, il n'a pas abandonné. Même étant pourri, il est venu les chercher. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà les vrais compagnons, ma soeur, pour qui je dois pleurer, pour qui je dois soupirer. Parce que c'est lui-là, il ne me trahira jamais. Non. Que son nom soit. Ah, il est merveilleux, mon frère. Quand tous seront contre toi, lui sera ton défenseur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux, frère. De la voix, c'est plus que tout le trésor de la terre, mon frère. Alors, dans Matthieu, il nous dit, regardez bien. Matthieu, le verset suivant. Vous étiez en Matthieu 12, oui, verset. Mais Jésus leur répondit. Et qui était attaché au sabbat, ceci, cela. Mais Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. Vous connaissez David? David était de la tribu de Judas. Or, vous savez très bien, mon frère et ma soeur, que pour faire les services dans le temple, il n'y avait seulement que cette tribu, non? Vous connaissez cela, non? C'était la tribu des Lévites. Des Lévites qui avaient droit d'entrer. Ah oui. Ah, oui, voilà. Oh Dieu du ciel, c'est merveilleux. Vous savez, pendant que David faisait ça, on a envie de sauter. Ah, il est bon, les dieux qui nous servent, frère. Que le monde prenne tout ce qu'il a. Mais laissez-nous Jésus, frère. Oh, que ton nom soit béni. Pendant que David entrait dans cet endroit, où les gens le regardaient, et Dieu dit, mais cet homme, c'est pas possible. Ce n'était pas que Dieu dormait. Non, Dieu voyait. Amen. Oui. Parce qu'il vient de dire là. Il dit, mais n'avez-vous. Et pourtant, gloire à Dieu. Et pourtant, il élisait. Il élisait, il ne finit pas lu. Pour que toi, en tant que fils et fille de Dieu, quand tu entendras, même quand les diables. C'est nous. On dit toujours les secondes viennent de l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est la parole. Donc, je préfère, même s'il faut mourir, mourir avec. Ah, je m'accroche à sa parole. Parce que même quand je descendrai, quand il va commencer à regarder, il va voir une lumière quelque part. Cette lumière, c'est comme je sers ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous aide à comprendre. C'est nécessaire cela. Il dit, n'avez-vous pas lu? Regardez, nous continuons. Il dit, bien ici. Si. Il dit, mais n'avez-vous pas lu ce que David fit? Ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Donc Dieu voyait. Comment il entra où c'est? Dans la maison de Dieu. Vous suivez cela? Mangea quoi? Le pain de proposition. Qui n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui. Vous entendez cela? Parce que quand il nous a parlé, le Seigneur, il a bien dit dès le départ ici, il dit, mais n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui, il ajoutait bien, et ceux, il ne va pas seulement de lui seul. Donc il voyait quand David est entré, et puis ceux qui étaient avec lui. Des hommes que Dieu lui a. Vous savez quand. Oh, que Dieu nous aide. Ah, oh, frère, il est bon, ce Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est extraordinaire. Il dit, et ceux qui étaient avec lui, c'était des hommes qui pouvaient mourir pour David. Parce qu'il savait que Dieu avait déjà fait une promesse pour David. Et Dieu lui a donné des hommes. Vous vous souvenez, quand cet homme, David, était quelque part, il dit, mais. Ah, il avait dit, mais je pouvais voir l'eau de la fontaine de Bethléem. Il a simplement exprimé ses désirs. Il n'a pas dit aller me chercher.
mais ces hommes qui étaient avec lui. Il dit, ça c'est un désir de cet homme ici. Ils se sont levés de nuit, traversant les camps, combattant les Philistins, jusqu'à ce qu'à la Bethléem, ils ont puisé de l'eau toute la nuit, revenant encore, combattant encore, jusqu'à arriver devant David. Il dit, quand on dit, mais tu as désiré l'eau de Bethléem, voici l'eau. David a regardé, il a pleuré, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais tu l'as désiré, tu as voulu cela. Le voici, mais c'est auprès de leur vie qu'ils sont partis. Il dit, je ne peux pas boire ça, parce que c'est auprès de votre sang, vous. Vous avez dit là-bas, il a versé par terre. C'est pour dire le caractère de ces hommes. Comment ils disent, c'est pour ça Dieu ici, là. Il dit, et ceux qui étaient avec lui. Attends, je regardais très bien. Et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, effectivement, qu'il n'était permis de manger ni à lui, donc Dieu. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire, non? David est issu de la tribu de Judas. Il faut toujours savoir cela. Il dit, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient donc ce pain-là, et qui étaient donc réservés au sacrificateur seul. Non, uniquement les sacrificateurs. Mais là, regardez comment il dit. Uniquement les sacrificateurs. Donc, personne d'autre ne pouvait arriver à le toucher. Mais ces jours-là, David eut faim. Et il entra, lui, avec ceux qui l'accompagnaient. Il prit donc du pain. Tout le monde lisait cette écriture-là. Ce soit un sacrificateur de ceux qui prêchaient effectivement, mais il n'avait jamais marqué un point à cet endroit. Maintenant, regardez la suite. Le verset suivant dit, verset 5 dit, où, il a parlé de David, non? Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, par exemple, le jour de sabbat, les sacrificateurs eux-mêmes violent le sabbat dans les temples? Oui, qui pouvait savoir que les sacrificateurs violaient le sabbat? Le Dieu de sa parole, il voit. Frère, non, Dieu est un Dieu merveilleux. Ah, nous l'aimons, ce Jésus. Oh, il est plus que la sagesse même. C'est pour ça que nous avons besoin d'un tel prédicateur. C'est 100% vrai. Amen. Que lui seul nous parle. Amen. Mais c'est vrai, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne vous laisserai pas en faire là. C'est cela que nous voulons, nous soupirons. Amen. Je vous enverrai le consolateur. Ah, il est vraiment parfait. Parce que s'il n'était pas avec nous, quelle direction allons-nous prendre? Quelle orientation allons-nous suivre? Alors, il nous dit, bien, et dit bien, où, j'aime Dieu, frère. Je lis encore, verset 5, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat? Parce que c'était eux qui disaient, ils ont vu le sabbat, je dis, mais vous, en fait, je crois que, en fait, je ne peux pas dire, mais c'est des gens, ils ne lisent pas vraiment les Écritures. Ils ont simplement, Moïse a dit, dans l'esprit, effectivement, les pauvres, ils ont fait de Moïse ce qu'il ne fallait pas faire de Moïse. Et pourtant, Moïse avait toujours été clair. Je ne sais pas, mais le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est ce qu'il a eu à pouvoir dire. C'est sûr et certain. Et Moïse était un homme spirituel. Pour que nous comprenions ce que Moïse a dit, effectivement, il faut que nous soyons spirituels. C'est-à-dire que nous soyons aussi dans le même esprit que Moïse, que nous comprenions ce que cela veut dire. Combien les Saintes Écritures ont toujours été très importantes. Je parle, ce que je sais, je vais redire, ce que je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre, c'est que ne rentrez pas toujours dans cette pensée en disant, c'est contre, non, on ne peut jamais prêcher contre des gens. Ce que vous devez savoir, effectivement, on ne doit et on ne sera jamais contre les gens. Ne commettez jamais cette erreur-là. Peu importe la nature de la personne qui vous aime ou qui ne vous aime pas, ne tombez jamais dans les pièges de détester la personne. Si nous avons le temps de le voir y arriver, c'est important cela. Pour quelle raison, frère? Parce que s'ils ne sont pas des hommes,
Ce sont des esprits. Je vais vous rappeler une chose. Vous entendez quand même ce que le Seigneur a donné comme ordre, non? C'est un Dieu merveilleux et vivant dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas vrai? Il a dit quelque chose qui est tellement merveilleux. Vous devez comprendre, comprenez cela d'une manière spirituelle. Il dit ceci, allez, partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Celui qui croira que sera baptisé sera donc sauvé. Donc, on doit prêcher la bonne nouvelle pour que les gens qui croient soient sauvés. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Voici donc quoi? Vous vous souvenez plus? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous souvenez? Alors, vous pouvez me le dire? À mon nom, ils feront quoi? Répétez un peu. Est-ce qu'on a dit, à mon nom, chasseront des frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Vous lisez quand même les Écritures. Donc notre ennemi, ce n'est pas les frères. C'est écrit clairement. Ils chasseront les démons. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Est-ce que vous lisez les Écritures? Mais contre qui? Contre des frères et sœurs? Contre qui? Des esprits ou c'est méchants? Sœurs, réveillons-nous. Enfin bon, nous allons d'abord rester à la détente. N'oubliez jamais. Et on ne t'a pas dit d'aller chasser ton frère, mais d'aller chasser ta soeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais chasser les démons. Amen, amen. Ah, Matthieu, nous continuons. Regardez, que Dieu te bénisse. Matthieu 12, nous redeviens. Il dit, je relis encore le verset. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples. Et vous vous rendez compte que les sacrificateurs dans les temples même, ils violent le sabbat. Et puis il ajoute une parole extraordinaire. J'aime Dieu. Amen. Alléluia. Je l'aime mon frère. Il est bon. Il est bon de l'aimer frère. Le monde ne peut pas te réjouir mon frère. Jésus qui sera heureux frère. Oui, il est Jésus de la Bible. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. S'il était hier comme ça, aujourd'hui encore. C'est ça qui fait notre joie. D'avoir un sauveur. C'est pour toi, ma soeur. Alors, sois heureuse. C'est pour toi, mon frère. Sois heureux. Peu importe le problème. Les problèmes finiront un jour. Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les sacrificateurs violent les sabbats. Dans les temps. Et ça, tous les jours. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est comme je vois ma soeur Belly qui est assise là-bas, qui regarde. C'est bien elle, je pense. J'ai dit, c'est comme. J'ai dit, mais Dieu était en train de regarder les sacrificateurs comme ça. Et il violait les sabbats tranquillement. Et vous savez, si Dieu les regardait, tout calmement, pour regarder les. Et oui, comme ça, tout. Il était tout là en train de regarder. Il ne dit rien. Il n'avait jamais rien dit. Jusqu'à ces jours-là. Ah oui, monsieur. Il n'avait pas parlé pendant tout ce temps-là. Gloire à Dieu. Il violait les sabbats. Il ne disait rien. Mais ces jours-là, ce jour-là, l'Éternel parla. Il lui a dit, mais vous violez les sabbats. Que Dieu nous aide. C'est important, mon frère, que nous réalisons la grâce divine de Dieu. Ah oui, c'est parce que nous ne devons pas, comme nous le disions tout à l'heure, pour que vous puissiez comprendre ce que maintenant qu'on dit, mais ne dites pas, ah, parce que je suis. Non, dit, avec Dieu, tout est permis. J'espère que vous êtes spirituel pour comprendre. Amen. Parce que si tu sors ici, tu vas au carrefour, tu reviens avec quelques boîtons, tu dis, frère, tu n'avais pas l'argent, mais tout est permis. Tu crois, c'est parce que je dis, mais il faut bien comprendre. Dans quel sens?
Vous êtes spirituel, hein? Donc avec Dieu, tout est permis. Vous connaissez les Écritures maintenant. C'est ça qui, je me réjouis, effectivement, on a parlé plus loin. Quand on dit tout est permis, on ne s'est pas arrêté là. Il y a un verset qui suit. Ah, c'est pour ça que Dieu il est sage. Enfin que toi, mon frère, ma sœur, vous savez que nous sommes libres. Et aussi pour qu'on ne puisse pas dire, oh, non, non, non. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de contrainte. Et il n'y a que ce qu'on appelle la liberté. Ça veut dire que, maintenant vous m'écoutez, vous vous coiffez comme vous voulez. Bien sûr. Tu n'as pas le contraire. Vous coiffez comme vous voulez. Vous habillez comme vous voulez. Oh frère, depuis que là, et puis bon, on nous oblige. Et puis, et parfois même, ils vont même faire un peu plus exprès. Pour pouvoir vous montrer. De toute façon, moi, je n'écoute pas ce qu'on me dit. Qu'est-ce que nous vous avons interdit? Vous coiffez comme vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. C'est tout. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'encore plus loin, il nous dit que c'est lui qui a Christ Jésus, notre Seigneur, est devenu esclave. Vous connaissez l'Écriture? Esclave de qui? Vous devenez triste? Non. Quand on a parlé de la liberté, tout est libre, on peut. Je voyais les gens, les yeux qui pétillaient comme ça. Et puis on descend un peu plus bas, on parle que celui qui est attaché à Christ est devenu esclave de Christ. Et le visage change. Paul a dit, je suis prisonnier de Christ. Et j'aime être prisonnier de Christ. Parce que c'est dans les liens d'amour, monsieur. Amen, amen. Nous n'avons même pas plus le temps. Vous avez remarqué dans Michée? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais relire encore Matthieu tout à l'heure. Vous avez remarqué dans Michée qu'on a lu? Hey, faites toujours attention. Regardez ce qu'il dit. Parce que quand vous dites esclave de Christ, oh, maintenant je ne peux plus me permettre. Mais non, regardez. Et quand je suis dans les bras de celui-là, je sais pourquoi je vais là-dedans. Pas parce que je vais vivre comme je l'entends, non. Parce que je ne veux pas vivre comme je le veux, mais ma chair à moi. Mais... c'est pas possible. C'est-à-dire que quelque part, toi-même, tu recherches effectivement ce désir dans le cœur de pouvoir être. Tu étais un voleur. Tu ne veux pas être un voleur. Mais l'esprit du vol est attaché à toi. Je peux m'enfermer chez moi, je dis, je ne vais pas aller voler les Carlsberg, je donne un exemple. Mais tu sors, tu n'as pas l'argent, tu rentres au Carrefour, tu étais parti avec un manteau qui était serré. Et puis on te voit sortir avec un manteau où tu as les poches comme ça. Ça a gonflé tout ça. Tout un casier a pris. Et même pour marcher, la démarche change. Pour quelle raison? C'est pas toi, c'est misérable que je suis. Qui me délivrera quand je veux faire le bien? Le mal s'attache. C'est à ces hommes comme ça qui gémissent, qui pleurent à cause d'abominations qui se commettent. Pas qui aiment faire les choses que le monde fait, tout en mettant en couverture que je suis chrétien. Non, mais c'est lui qui dit, mais il va pas. Et puis, je pense que c'est important, même si la personne que nous voyons dehors, il n'est pas comme nous pouvons voir effectivement au bérufé. Ne méprisez jamais. N'aie jamais la garde. Oh, regardez. Quand tu fais ça, c'est que d'abord, toi-même, tu es orgueilleux. Tu te juges plus grand que la personne. N'oubliez jamais. Et j'aime l'apôtre Paul
qui nous dit, nous tous ici, nous étions du nombre. Comment je peux battre ma poitrine à l'endroit de quelqu'un? Que Dieu nous donne la grâce d'avoir le temps s'il le veut aujourd'hui. C'est nécessaire de pouvoir connaître le Dieu que nous servons. J'ai dit, nous avons lu dans Michée, chapitre 7, on n'avait pas prêté attention. Quel Dieu est semblable à toi? On a cherché partout. On a regardé parmi tous les dieux. C'est pas qu'on répète quelque chose que Dieu nous a dit. Non. Nous avons, nous, cherché. On a même peut-être un peu essayé vers les Baals, vers les Astartés. Parce qu'ils ont fait ça. Mais quand est arrivé au moment où on nous a posé la question? Jusqu'ils ont quand cloché de vous de deux côtés. Nous nous sommes dit, cet homme ici, c'est plein pour qui? Nous avons quand même les Astartés, les Baals, et puis nous associons aussi l'Éternel dont nous a parlé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand même, parce que ce Dieu-là que nous avons, ce que nous voyons, les nations à côté de nous, ils adorent ce même Dieu, effectivement, les dieux comme Baal, Astarté, ainsi de suite. Vous vous souvenez de cela? Dans le livre de Rois, chapitre 18, je pense que c'est cela. Puis je reviens ici, vous connaissez pas. C'est dans Michée. Je ne sais pas, parce que vous me regardez un peu comme si... C'était que Michée, ici, nous avons lu là-bas. Avec toi, vous serez. Verset 18, Michée 7, verset 18, il dit, quel Dieu, écoutez bien, est semblable à toi? Nous disions, ah, on a regardé, effectivement. Parce que pour pousser un tel cri, c'est pas que tu dis ça comme ça, ce que quelqu'un t'a dit, c'est que quelque part tu as réalisé qu'il est vraiment... C'est pour ça que l'adoration qui doit monter de toi ne doit pas être une imitation de quelqu'un. La reconnaissance quand tu entends cela, c'est parce que quand tu t'élèves pour pouvoir chanter, c'est pas parce que le voisin s'est levé. Moi-même. Moi-même. Que le voisin soit là ou pas, je l'apprécie. Mais maintenant, c'est entre toi et moi. Comment te dire ce que je ressens? Ce que je ressens. Patrick, ce que nous ressentons. Non, ce que je crois que c'est un cantique que vous chantez, non? Ce que je ressens. Amen. Tes bienfaits sont... C'est-à-dire que je suis là. Alléluia. Il ne dit pas que nos vies, non, que ma vie. Vous voyez l'inspiration, hein? Ah, s'il vous plaît, considérez les choses de frères et sœurs. Nous partons vers chez nous, pas vers chez quelqu'un. Nous sommes des locataires ici, même si nous avons nos maisons, nous avons acheté nos maisons, ils sont gros, ils sont, je sais pas, on a... Non, vous payez les comptes immobiliers, non. Ça montre que la terre là, c'est pour l'État. Ah, tu es locataire de l'État. Et lui, il dit, ah, c'est ma propriété. Non, il est locataire de Dieu. Alléluia. Parce que personne n'a fait son pays, personne n'a dit ça. Non, les terres appartiennent à l'Éternel. Qui a créé les cieux et la terre? Amen, amen, amen. Il dit, j'en suis le propriétaire. Amen. Vous voyez, on regarde très mal les choses. Nous devons regarder de la bonne manière. Et puis, glorifions Dieu, notre Seigneur, parce qu'il nous a dit que nous sommes des pèlerins. Alors, ce qui veut dire que si je suis pèlerin, je jouis de ce monde comme nous ne jouissons pas. Utilisant comme nous n'utilisons pas. Évidemment, je ne veux pas dire qu'on va dormir dans la rue, parce que Dieu nous donne des maisons. Donc, nous sommes dans ces maisons, mais ce sont des toits temporaires. Vous savez ce que le Seigneur a dit, si Dieu nous aime? On revient Michel et puis Matthieu. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Soyez donc hospitaliers. Vous savez ce que ça veut dire hospitalier? Ouvrez la porte de vos maisons. Recevez les sans-abri. Je ne vais pas dire, écoutez, maintenant, les dehors. Vous comprenez quand on dit... Non, il ne faut pas à l'extrême.
que demain on entend oh, chez frère, tel d'un pouce, d'un pouce, cela. Maintenant, avec les mesures qu'on a, tu ne peux pas voir si c'est combien de personnes chez toi. Qu'il a pris, passé l'hiver, il a rassemblé, il a enlevé tout ce meuble, il a mis des matelas et tous les sans-abri des quartiers Gare du Nord, il les a amenés chez lui. C'est bon, vous savez, c'est pas dans ce sens-là. Hein? C'est quand un frère vient chez toi. Il a le désir de pouvoir venir chez toi. Ne monte pas d'abord à venir en disant, c'est seulement le moment ici. On ne pouvait pas attendre un autre moment. Bon, comme le Seigneur a dit, faites du bien, je vais quand même faire le bien. C'est-à-dire que nous comprenons. Et puis il dit, bon, j'ai arrangé ma maison, j'ai arrangé mes lits, tout ça, effectivement, bon, il va venir avec tout son bataillon, ça va être la guerre ici. Et je suis toujours là en train d'arranger. D'ailleurs, il faut comprendre que nous devons être ordonnés d'abord. Enfin, nous devons, bon, comme... Normalement, quand même, on est appelé à être ordonnés, quand même. Pourquoi vous aimez les désordres? On peut quand même aimer l'ordre, non? Pourquoi toujours les désordres? Pourquoi vous aimez les désordres? Il faut aimer l'ordre. J'ai dit, désordre, je ne t'aime pas. L'ordre, je t'aime. Ceci nous aimer. Partez. Commencez une fois, vous voyez que ça rentre en vous. Parce que c'est vrai, pourquoi être désordonné d'ailleurs? Bref, c'est beaucoup nous comprenons. Ça, c'est le Seigneur parle à ses enfants. C'est pas beau quand vous entrez quelque part, vous trouvez chaque chose. La place est sur les biens propres, effectivement, ici. Imaginez que nous soyons rentrés ici, les chaises. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. C'est ce frère ici. Et, mais quand tu compares à chez toi, est-ce que vous comprenez? C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que quand vous voyez l'ordre, vous prenez plaisir. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Le soleil, la lune, les arbres, tout. Chaque chose a sa place. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être ordonné, propre aussi. Vous me regardez, mais c'est vrai. Bien sûr que vous dites, oh, ce frère, il exagère. Il n'y a pas de problème. Mais lisez les Saintes Écritures. Je vous ai dit ici, non? Dieu veillait pour les camps. Comment les camps devaient être établis, même pour faire les... Voilà, très, 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 très loin. Pas dans le milieu, c'est que tu maintenant. Dieu veille pour les choses. Donc l'ordre, la propreté, tout ça doit faire partie de nous. Donc, non seulement ici, dans nos maisons. Parce que quand même, les gens viennent nous rencontrer, ils vont trouver des journaux empilés. Non, je donne un exemple. Soyons ordonnés. Enfin, je parle aussi à mes bien-aimés. Parce que, vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un vous insulte, c'est aussi moi qui les insulte. Que vous m'aimiez ou pas, mais on vous met dans le lot quand même. Puisque vous êtes là, dit oui, son pasteur sait. Regardez, nous sommes allés chez lui. Ouh, il vit comme un rat. Son pasteur sait. C'est toujours ça. Alors, comme ton pasteur c'est lui, il ne veut pas qu'on t'insulte. Amen. Ne prenez pas en mal. Mais soyons ordonnés. Amen. Que quand les gens viennent, ils disent, oh, c'est souvent les enfants de Dieu. Ces yeux, vous allez, oh, non, 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 non. Et puis, et vous entrez même par surprise. Ça doit devenir l'habitude. Pardonnez-moi, là, ça doit devenir l'habitude. Je quitte l'assemblée, j'arrive chez moi. Avant d'être parti de l'assemblée, je m'arrive tout le temps. Parce que je ne sais jamais, après les pasteurs peuvent dire, bon, je vais voir un café chez toi. Oh, pasteur, attends, reçois d'abord. Et puis je cours vite à la maison. Je dis non, je suis pressé parce que je ne sais pas, j'ai déjà annulé mon rendez-vous pour venir chez toi. Ou attends d'abord, frère Jonas, préparez d'abord le pasteur, et puis je vais. Pourquoi mes pasteurs veulent venir plus qu'un café? Vous comprenez? Donc juste quand même, avant de partir, je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais bon. Il ne faut pas sortir comme si on allait à la guerre. Je dis, ouais, dépêche-toi. Derrière, c'est la catastrophe. Et puis même le contrôleur des compteurs à gaz, s'il vient, comme on était venu le matin. Il est parti à gaz, il va venir. Oh, c'est qui vit? Ah, les étrangers. C'est comme ça commence. Hein? Ils sont toujours comme ça. Oh, ils sont toujours désordonnés. Frères et sœurs, nous appartenons à un royaume. Ah oui,
Nous ne sommes pas des Africains. Quand je dis, ah, vous savez, ces gens-là sont désordonnés chez eux. Les Africains, ils sont désordonnés. Vous allez les réserver, ça, c'est pas possible. Non, nous ne sommes pas des Africains. Nous sommes un peuple de Dieu. Notre Père, il est ordonné. Quand il vient, écoute, quand ils vont les ils sont différents. Comme les autres Africains. Nous pensions que ces Africains, ils sont différents, propres, même par surprise pour venir vérifier les compteurs. On trouve que leur cuisine, il est bien, il n'y a pas de gras par terre. Nettoyé, tout ça. Le compteur, il est bien, parce que souvent nos compteurs, ils sont pleins de toiles d'araignée. Donc le compteur, je sais, il est bien propre. Il n'y a pas. Non, ils nettoient même jusque-là. Ils sortiront là-bas, ils vont aller leurs amis qui sont au travail. Il dit non, ces Africains, on nous avait raconté, parce que souvent ce sont des préjugés, hein. On nous avait raconté que chez eux, non, je suis rentré chez eux, même dans la cuisine, tu pouvais même t'asseoir par terre. C'était bien. Il dit, oh, qui ça, les Africains, oh, maintenant quand ils vont voir, ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Quand vous voyez quelqu'un, c'est parce qu'on les a raconté de vous. Bah, pardonnez-moi parce que pour le temps, mais c'est pour que vous compreniez que ça va plus loin. Alors il faut casser l'image. Bien sûr. Nous ne sommes pas des Africains, comme on dit, désordonnés. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Ordonnés. Amen. Qui marche effectivement, dire, ça, je dois être comme ça. C'est important pour vous. Les témoignages que vous rendez aussi, vous dire, ah, ce sont des chrétiens. Vous comprenez. Ils vont toujours à l'église. Oui, ça, c'est l'église des Africains. Parce que même quand ils prient, vous venez chez eux, ils sont toujours pareils. Non, ce n'est pas l'église des Africains. C'est un peuple de Dieu. Amen. Ah, c'est là, je suis allé le voir chez eux à la maison, mon Dieu d'amour. Il dit, ça, tu as envie de devenir chrétien. Pourquoi? Parce que, ne vous fâchez pas. Hein. Bon. Nous revenons dans Miché. Parce que je vois que ça devient silencieux. Et puis, on me regarde bizarrement. On dit, comment ça se fait qu'il est parti de Miché? Il est parti vers nous. Et puis, comment c'est nos maisons, nos cuisines et tout ça? C'est ce que Dieu, je pense, qu'il veut. Frère, le Seigneur aime son peuple. Amen. Il est très jaloux de vous. Il ne veut pas que les gens vous parlent du mal de vous. Et c'est ça. Il faut que la bouche de ces gens soit fermée. Il vient avec des préjugés, il rentre. Oh, c'est pas possible. Oui, parce que Christ vit dans cet endroit. Et vous êtes d'où? Je suis chrétien. Ah. Et je voulais dire que vous êtes d'où? Je dis, je suis chrétien. Ah bon? Oui, oui. Ah, parce que j'ai déjà été chez les autres. Oui, chez les autres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas comme chez vous. Mais chez les autres, nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Alors, ne soyez pas fâchés. Miché, que nous lisons au chapitre. Puis nous retournons à Matthieu, parce que nous n'avons pas terminé, Matthieu. Hein? Hein, nous l'avons lu. Et puis, bon, nous lisons Miché, comme ça, vous voyez. Puis nous retournons vite à Matthieu, parce que les temps filent aussi vite. Voilà, et ce qui est merveilleux, dit, mais quel Dieu est vraiment semblable à toi. Arriver à ce point-là de se poser cette question, c'est parce que, parce qu'il voit l'émotion dans laquelle il a eu à pouvoir le dire. C'est-à-dire que lui-même, il a réalisé, mon frère, comme nous l'avons dit, et ce qui était donc entré, effectivement, en Égypte, effectivement, par les trichements, par les biais, effectivement, des Joseph qui étaient là en Égypte. Et puis, son papa, qui on avait dit que son fils Joseph était déjà mort parce qu'il n'était pas aimé par ses frères, effectivement, vous connaissez cela, qu'ils l'ont vendu, effectivement. Dieu, quand il vous aime, même si on vous rejette par les gens, c'est toujours dans le programme de Dieu. C'est ça. Je n'ai pas entendu rien. Amen. Ah. C'est pourquoi ne vous plaignez pas. Amen. Les plaintes et les murmures, chrétiens, sachons-nous en garder. Parce que c'est comme ça qu'il n'aimait pas Joseph. Pour quelle raison? Parce qu'il était spirituel. Cet esprit en question n'a pas commencé aujourd'hui. Tout a commencé depuis la Genèse. Est-ce que vous voyez? Quand le mal ne s'était pas introduit. Vous êtes fatigué? Non. Quand le mal ne s'était pas introduit dans les jardins d'Éden, tout était parfait. Quand cette serpent, Satan, n'était pas là, il n'y avait pas de problème. C'était l'harmonie, c'était la joie, c'était la paix, effectivement, si. Mais c'est quand le malin s'est introduit qu'on nous a fait sortir, effectivement, Caïn et Abel. Et on avait quoi? Que Caïn, Abel, était un homme spirituel. Vous comprenez cela?
un homme spirituel. Et son frère Abel, il était un homme charnel. Ah oui, qu'est-ce qu'il a apporté comme offrande? Des choses terre à terre. Oui, n'est-ce pas? Des choses de la terre. Mais vous savez ce que Abel lui a apporté comme offrande à Dieu? Le sang. Et puis la Bible dit, c'est pas révélation. Donc il était un homme spirituel, qui ne s'occupait pas de choses de la terre, mais qui était intéressé comme Jacob et Ésaü. Certainement, c'est vrai. Voilà que, puisque Abel était aimé par Dieu, qui était spirituel, Caïn s'est vengé. Quel est mal? Est-ce que vous avez entendu que Abel avait insulté Caïn, qui lui a fait la guerre dans les coulisses? Pas du tout. Mais c'est Caïn qui s'est tourné vers Abel et qui l'a tué. Vous connaissez cela, non? Parce qu'on parle que le sang du juste. C'est vrai. Le sang d'Abel, effectivement. Et comme vous pouvez aussi le voir aussi, comme nous disions, en rapport avec Ésaü et Jacob, vous remarquerez effectivement aussi le goût et la manière de pouvoir désirer les choses comme entre l'un comme l'autre aussi. Et si vous suivez les Saintes Écritures, vous remarquerez effectivement que c'est comme cela en fait. Alors, nous parlions donc de Joseph. Ses frères l'ont détesté. Ils ont voulu le tuer parce qu'ils voulaient complètement le tuer. Or, Dieu a veillé à montrer une vision à Joseph. Dans cette vision, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont eu à pouvoir le détester. Il a vu en fait des bottes de blé qu'ils avaient mis effectivement de ses frères et tout ça, et puis sa botte à lui. Et toutes les autres bottes de pile, et se sont donc prosternés devant celui de Joseph. Et ses frères ont dit, mais tu veux te prendre pour qui? Que tu es le plus grand pour nous, parmi effectivement la colère s'est emparée d'eux. Lisez dans la Sainte Écriture. Et c'est comme cela qu'ils l'ont traîné dans les champs, tout ça, pour le mettre dans le puits, pour le tuer. Ils voulaient vraiment le tuer. Mais c'est un de leurs frères qui a dit, mais non, ne faisons pas ça, c'est une perte inutile. Au lieu de tuer, effectivement, là, à ce moment-là, il y avait un chameau qui est passé, celui qui est passé, effectivement, aussi. Et qui achetait, esclave, je pense. Et il passait, il dit, mais au lieu de pouvoir les tuer, parce qu'il voulait vraiment les tuer. Mais la pensée vient de là. Oui, c'était qui? Il dit, mais vendons-le comme esclave, comme ça nous nous en débarrassons. Et pourquoi ne l'ont-ils pas tué? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait les tuer. Alléluia. Pourquoi ne l'ont-ils pas tué? Puisque Dieu avait montré la vision. S'il le tuait, les plans de Dieu n'allaient pas s'accomplir. C'est la même chose que Dieu fait pour toi. Nous devons connaître, je vous vois en train d'être fatigué, tout ça, parce qu'on arrive. Et c'est ça que, vous savez, ça me chagrine, moi, quand je vous vois prendre des positions que vous vous sentez mal à l'aise. Vous savez, c'est une grâce de Dieu que je me tiens debout. Vous êtes assis. Et c'est moi qui se tiens debout ici. Je peux pas dire, vous savez, physiquement, 5 minutes et puis je m'assieds. Vous êtes assis. Et vous prenez des positions comme vous êtes tellement fatigué. Et quand vous faites ça et que vous êtes distrait, quand le Saint-Esprit voit cela, vous attristez le Saint-Esprit. Et vous mettez dans des conditions telles qu'il ne puisse plus vous parler parce qu'il a déjà vu ce que vous êtes. C'est ça, et nous prions, je gémis pour vous, je pleure Dieu pour vous. Nous prions pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu qui doit. Vous allez courir à la maison chez vous. Vous allez vivre toujours dans les péchés parce que Satan vous mettez. Les jours où le Seigneur viendra, tu resteras, tu vas faire quoi avec ces choses? Parce que de toute façon, ces choses en question vont passer. Voilà les choses qui vous amènent dans des endroits spirituels, vous amènent vers le ciel.
N'avez-vous jamais lu aussi qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement pour lesquels vous croyez, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai toujours eu à pouvoir dire, mais en une journée, vous avez 24 heures. Puis dans la semaine, on court, comme parce qu'à cause du couvre-feu, il n'y a qu'un 7 jours. Un dimanche quand même pour donner à Dieu, un dimanche quand même. Ça fait très mal au cœur. Ça brise le cœur, c'est vrai. Quand ça brise le cœur, on ne sait même pas continuer. C'est ça le problème. Et puis quand vous êtes comme ça, vous êtes très pressé, mettez-vous dans un coin où on ne vous voit pas. Avec votre pressé, vous sortez. Comme si vous allez aux toilettes et puis vous disparaissez. Personne ne voit encore, parce que déjà, on est pour vous voir le matin. Mais quand vous restez, vous commencez à pouvoir être comme ça, ça fait très mal. Maintenant, regardez dans quel état on se trouve. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Oui, frère, nous allons nous lever, nous allons prier que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et nous soutienne. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Merci. Il conduira tout le pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, avec lui, je monte. Tout haut, avec lui je monte toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra dans son sang. Avec nous, gloire à son Saint-Nom.